Bonjour à tous et bienvenue, c'est Galax pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Police Simulator Patrol Duty, un jeu que j'attendais énormément qui sort aujourd'hui, ce 18 juin 2019. Enfin, j'ai envie de dire, hein, le jeu a été renommé Patrol Duty alors qu'auparavant c'était Police Simulator 18. Et oui, souvenez-vous, ce jeu qui traîne depuis des mois, il est enfin là et on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors, pour info, on va recommencer une carrière avec le personnage masculin qui est Phil Jones. On a le choix entre deux agents de police, Rachel et Phil. On va prendre bien sûr le monsieur parce que il me ressemble un peu plus que Rachel, hein, et oui, je suis plutôt un homme qu'une femme, que voulez-vous. On redémarre donc du coup la carrière, les amis, c'est parti. Et alors j'ai fait juste le début histoire de voir si le jeu tournait bien, tu vois, si il n'y avait pas de problème au niveau des options graphiques, hein. Tout va bien, je peux vous l'assurer. Alors, pour info, le jeu est 100% compatible à la manette et est traduit en français dès la sortie. Moi, je dis bravo parce que c'est rarement ça avec les jeux de simulation. Ok, donc on voit les différentes commandes. On va apprendre ça, bien sûr, au fur et à mesure. Alors, déjà, vous le remarquez, le jeu est ultra fluide. Ça, franchement, pour un jeu de simu, c'est hyper rare et donc je pense qu'on peut le noter clairement. Eh bien, écoutez, on va se connecter à l'ordi et on va commencer notre service. Allez, on va prendre notre première mission. Il me semble que la première mission, d'après ce que j'ai vu, c'est juste en fait mettre des PV. Voilà, on commence tous. Tout agent de police commence par mettre des amendes. Alors, identification du suspect. Ah, c'est encore autre chose. On va commencer à la circulation plutôt. On va aller au centre-ville. Jour 1. Grade cadet, prénom Phil Jones. Ok, on confirme ça. Alors, rapport de plusieurs véhicules en infraction de stationnement dans le centre-ville. Localisez et mettez des amendes aux véhicules en infraction de stationnement. Eh ben écoute, c'est parti. Voilà, on se log, on prend la mission. Ensuite, interagissez avec l'armurier. Ok, interagir avec ses collègues et les citoyens. Arpentez le poste de police et interagissez avec vos collègues. Certains peuvent avoir des informations utiles à vous donner. Vous pouvez aussi approcher les citoyens pour leur parler. Ça, c'est plutôt cool, franchement. Bah ouais. Allez, on va parler un petit peu aux collègues. Bonjour. Vous n'avez pas encore démarré votre service. Consultez l'ordinateur. Vous devriez choisir une assignation. Ah bah si. Si, si, j'ai déjà une mission, ma grande. Petit bémol, hein. Ils savent déjà même pas où j'en suis. Ah bah bravo. Armurerie. Après avoir accepté une mission postée, rendez-vous à l'armurerie et parlez à l'armurier, forcément, pour récupérer votre équipement. Eh bah allez. Donc l'armurerie, regardez, c'est juste ici. Voilà. Et c'est vachement bien que le jeu soit traduit, hein. Franchement, ça c'est top, hein. Ça aurait été encore mieux avec une VF, mais à mon avis elle aurait été mauvaise. Donc remarque, c'est mieux comme ça. Conduit avec prudence doit servir d'exemple à tous les citoyens. Absolument. Et regardez notre équipement, on a les menottes, la radio, le PDA, bombe de spray, voilà pour se défendre, torche électrique, éthylotest, ça sent bon, hein. Radar routier, oui, le taser, une veste de circulation, gilet jaune, yes, clé de la Diachi, donc la voiture de police, et le kit médico-légal. Ça a l'air plutôt complet ça, bah oui, vous démarrez avec l'équipement de base qui vous aide dans l'exercice de vos fonctions. Eh ouais, c'est plutôt bien. À mesure que vous progressez dans votre carrière, vos tâches évoluent, votre équipement est alors complété en intégrant les objets adéquats pour vous aider à gérer ces situations. Très bien. Ça a l'air très complet, hein. Alors pour info, je joue à la manette. Et c'est vrai que c'est un jeu qui peut se jouer à mon avis clavier-souris. Mais voilà, vu que je suis un habitué de la console, on va dire, c'est vrai que même au FPS, tu vois, sur PC, j'y joue à la manette. Je sais, c'est pas bien, je sais. Mais j'ai fait l'habitude. Mobilité et mini-carte. Vous avez reçu les clés de la voiture de police qui vous a été assignée, la Diachi. Un outil indispensable pour vous rendre rapidement sur le lieu de votre mission. Si vous choisissez de ne pas patrouiller à pied, vous trouverez votre véhicule sur le parking du poste de police. Vous aurez accès à d'autres voitures de police à mesure que vous monterez en garde. En grade, je vais y arriver. La mini-carte vous montre l'itinéraire vers le lieu de votre mission. Ça a l'air bien foutu, hein. Les lignes jaunes représentent les itinéraires du GPS vers les lieux de la mission postée et les itinéraires vers les appels d'urgence s'affichent en rouge. Ok, suivez les missions, les directions du moins indiquées par le GPS jusqu'au lieu de votre mission. Quand vous êtes hors de votre voiture de police, l'emplacement de cette dernière est représenté sur la carte par une icône étoile. D'accord. Trouvez les véhicules mal garés. Alors attends, mon véhicule, ça doit être celui-là. Ouais, je pense qu'ils me l'ont mis... Oh, la jolie voiture. Je pense qu'ils l'ont mis en position de partir, hein, à mon avis, hein. Allez. On monte, il va falloir qu'on se fasse un petit peu effectivement au gameplay. Frein à main avec X, cool. Changer de caméra avec Y. Ordre de stopper CA, on peut regarder autour d'accord avec le stick. Se diriger, si on appuie c'est klaxon. Ok, clignotant, ah on peut mettre les clignotants. Excellent. Vue cockpit et ordinateur, c'est la gâchette gauche. Il y a tellement de boutons. Ah, il y a tellement de boutons, c'est ouf. Eh ben écoute, on y va, c'est parti. Alors attends, on peut mettre les clignotants, hein. Ah ouais. Ah, trop bien. Putain, c'est rare ça.
Ah ouais, ah oui, monsieur. Non, c'est vrai que c'est très rare hein, qu'on puisse mettre les clignotants dans les jeux. Donc déjà, gros coup de chapeau. Rien que pour ça. Allez, on profite que le feu soit vert. Allons-y. Par contre, faut le retirer manuellement. Ok, il se retire pas. Ça, par contre, c'est chiant. Alors, on peut demander à ce qu'un véhicule stoppe en appuyant sur A. Ok, on va pas chercher. Et donc là, nous sommes dans la mission irrégularité. Hein. Nous y sommes. Donc il faut qu'on trouve... Ah voilà, il y a un véhicule mal garé là-bas. Attends. Je vais m'en occuper. Tout de suite. Bon, c'est pas une mission de la plus haute importance, du coup je ne mets pas les gyros, hein, faut pas déconner. Attention, je monte sur le trottoir. Madame, faites gaffe à vous. Faites gaffe. Voilà, là maintenant je peux sortir et on va essayer de mettre une amende sur la voiture parce que là tu remarques qu'elle est forcément mal garée. Parce que, oui, une voiture sur un trottoir, pas tellement. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'on peut faire? Délivrer contravention, vérifier info. Ouais, on va vérifier les infos. Voyons voir. Harrison Sterling, pas de casier. Donc déjà c'est encourageant. On va juste lui mettre, écoutez, une petite... Est-ce que c'est vraiment interdit d'être stationné ici? Ça se trouve, je dis une connerie, mais je pense que c'est interdit quand même, non? Ouais, je sais pas trop. Bon, on va lui mettre quand même l'amende. Oh, le bâtard. Délivrer contravention. Allez, on va lui mettre. Parce que c'est cool. Voilà. Alors, score et grade. Des points sont ajoutés à votre score à chaque tâche accomplie avec succès pendant une mission postée et chaque appel d'urgence terminé. Vous perdrez des points si vous échouez d'une manière ou d'une autre à accomplir vos objectifs de mission pendant une mission postée ou un appel d'urgence. Si vous accomplissez avec succès les tâches de police qui vous sont confiées et que vous atteignez vos objectifs, vous gagnerez plus de points et monterez en grade au sein de la force de police. Ok, ça me va. Allez, on va remonter, n'oublions pas qu'on peut courir hein, quand même. Donc là, c'est vrai que j'utilise que les commandes de base parce que je connais pas tout, hein, ça vous le compreniez. Arriver sur place, contravention dressée. Alors n'oublions pas qu'on peut recentrer la caméra. Le klaxon. Ah, t'as vu, regarde, il a le bras qui bouge, qui va sur le klaxon. Eh, mine de rien, c'est vachement bien animé. Hein. Ah, je suis surpris. Ah, parce que les jeux de simulation, les petits jeux de simu, en règle générale, ils ont pas autant de soins quand même. Ah ouais, plutôt surpris, j'avoue. Mais en bien. Alors lui, il est carrément sur le trottoir, hein, par contre. Hein. Ah, lui, non, pas trop. Hein. Lui, pas tellement. Bah, tu sais quoi, je vais faire la même chose. Ou bien moi, je suis la police. Je peux me le permettre. Ok, ça fait 43 minutes hein, que nous sommes en poste. Alors, je vais quand même regarder le casier, là. Vérifier info, parce que ça se trouve, il est en train de braquer une banque. Hein. Faut se méfier. Alors, c'est elle, Laura Reed. Pas de casier. Ok, bon, bah c'est une amende quand même. Hein. Même si t'as pas de casier, hein. Qu'est-ce que tu crois? Allez. Une amende, ça va me mettre à combien de pourcents de la mission? 75%, allez, plus qu'une et on est bon. Super. Alors, il faut que je trouve une dernière voiture. C'est quand même sacrément enfoiré, ça. Eh, t'es agent de police et tu cherches les infractions. Appel d'urgence. Oh, les appels d'urgence s'affichent en haut à gauche de votre écran. Vous pouvez alors choisir d'ouvrir ou d'abandonner un appel d'urgence. Il est aussi possible de l'ignorer. En quel cas, l'alerte de l'appel d'urgence cessera automatiquement au bout d'un certain temps. Ah bah non, on va pas l'ignorer. Si vous décidez d'ouvrir l'appel d'urgence, vous accéderez à toutes les informations sur la situation en cours de signalement. À ce moment, vous pouvez choisir d'accepter ou d'abandonner l'appel d'urgence. Si vous choisissez de l'abandonner, vous pouvez reprendre votre patrouille ou votre mission postée. Mm-hmm. Si vous décidez d'accepter l'appel d'urgence, un compte à rebours commencera. Oh mon Dieu, je vais avoir la pression. La situation doit être résolue dans ce laps de temps, sans quoi vous échouerez les objectifs de l'appel d'urgence. Aucun point ne sera attribué en cas d'échec d'un appel d'urgence. Vous pouvez aussi choisir d'abandonner l'appel d'urgence en cours. Ok, dans ce cas, aucun point ne sera attribué non plus. Oh, ils sont durs. Si vous résolvez avec succès un appel d'urgence, vous marquerez des points qui vous aident à monter en grade. Ouais. Après avoir terminé un appel d'urgence, vous pouvez reprendre votre patrouille ou votre mission postée. Les appels d'urgence continueront d'affluer même après avoir terminé 100% des tâches de votre poste avant l'expiration de la mission postée. En revanche, vous ne recevrez plus d'appel d'urgence après la fin de votre poste, soit lorsque tout le temps est écoulé, soit en sélectionnant l'option « Terminer le poste » dans le menu principal. Ok. C'est compliqué. Alors, ouvrir. Voiture incendiée, mais je suis pas pompier. Qu'est-ce que c'est que ça? Ici le contrat, une voiture incendiée vient de nous être signalée dans le quartier de Cloverleaf. À toutes les unités disponibles, rendez-vous sur le Drainer Avenue pour interroger tous les témoins. Ah, c'est pour les interroger? Bah je prends. Alors c'est où? C'est là-bas. Allez, on y va. Ok, 4 minutes 33. Très bien, c'est parti. Ah, j'ai l'impression que le temps était fixe. Non, je pense que quand on l'a accepté, ça a commencé au niveau du timing à mon avis. Attention! Je pense que ça a commencé effectivement quand on l'a accepté ou alors qu'on a commencé à avancer la voiture. C'est pas possible. Alors attends, on avait plusieurs vues. Ah ouais, la vue interne, mais c'est excellent. Ah oui monsieur. Et puis surtout, ce qui est surprenant, c'est que le jeu est fluide à 60 images secondes. Après évidemment, ça dépendra, vous en doutez, ça dépendra totalement tout de même de votre PC, hein, de votre machine.
Attends, je vais passer en vue externe. Oh, mais il y a combien de caméras? Ah, mais c'est un vrai jeu, les gars. C'est un vrai jeu. Terrible. On va se grouiller, hein. On va se grouiller, mais je pense qu'on y sera largement. C'est les premières missions du jeu, hein. Ah, bah, on y est, d'accord. Alors, collision entre véhicules. Appelez immédiatement une ambulance pour venir en aide à tout individu blessé sur le lieu de la mission. Interagissez avec la victime et sélectionnez l'ambulance dans le menu radial. Interrogez les témoins et les victimes pour obtenir des indices sur l'origine de l'accident. La procédure recommande de demander leurs papiers d'identité aux témoins et aux victimes, de vérifier leurs informations et de leur faire passer un test d'alcoolémie. On a ce qu'il faut au niveau équipement normalement. En cas de résultat positif, l'individu doit être immédiatement arrêté. Oh, j'espère qu'il sera positif. Alors après avoir interrogé toute personne utile à l'enquête, vous devez ratisser la zone à la recherche de pièces à conviction. La nature de ces dernières peuvent varier en fonction de l'accident. Les indices à rechercher peuvent prendre la forme de traces de dérapage, de signes indiquant un arrêt, d'éclaboussures de sang, de résidus de verre, etc. Après avoir collecté toutes les pièces à conviction possible, vous devez appeler une dépanneuse pour faire enlever les véhicules endommagés le cas échéant. Ok, ça a l'air complet, hein. Quand vous en avez terminé avec la procédure sur le lieu de l'accident, vous devez rentrer au poste de police pour délivrer les pièces à conviction aux techniciens du laboratoire médico-légal. Oh lo 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 lo, mais oui monsieur. Allez, on va sortir. Indice trouvé, alors faut appeler avec la victime pour appeler une ambulance. Alors attends, faut que j'aille voir la victime. Très bien. Enfin très bien, on se comprend. Appeler ambulance, oui, on commence par ça. Besoin de secours, immédiatement. Et pour l'instant, on se concentre hein, sur cette urgence et après on retournera à notre petite vie d'agent de police tranquille. Oh, regardez, il est dans une mare de sang. C'est ouf. C'est oufissime. Assistance médicale demandée. Ensuite, faut qu'on interroge. Je vais interroger les gens. Allez. Interroger le témoin, effectuer les tests d'alcoolémie. C'est elle, non, le témoin? On va voir. Vous allez bien? Alors, du coup... Parler, arrêter, alors ça ce sera pour après. Hein. Fouille corporelle, vérifier info. Déjà, est-ce que l'ambulance est arrivée? Oui. L'ambulance arrive, pas de casier. Donc déjà c'est encourageant. Ensuite, fouille corporelle. Oui, mais je préfère vérifier ma grande. Ok? Alors, porte-monnaie, ouais, paquet de cigarettes, briquet, pilule. Il y a des pilules! On va faire un test d'alcoolémie, hein. Allez. Je pense pas, mais bon. Regardez, ils amènent le brancard. Faites le test tout de même, madame, s'il vous plaît. Ok, 0,0%. Elle a pas menti. Ah, c'est bien fait, n'empêche, hein. Ok, alors parler. Ouais, je vais lui parler, simplement, je vais pas l'arrêter, du coup. Pouvez-vous décrire ce qui s'est passé, s'il vous plaît? Ah, il l'embarque, c'est bon. Je marche tranquillement quand soudain une femme portant une sorte de grande veste marron a surgi d'une ruelle au moment où la voiture passait et a lancé un objet en feu en plein sur la vitre du conducteur. La vitre s'est brisée, il y avait des flammes partout. Ah, une femme avec une grande veste marron. D'accord. Avez-vous ce qui est advenu du conducteur? C'est intéressant. J'ai vu le chauffeur sortir de sa voiture, se jeter par terre et commencer à rouler sur un côté, puis sur l'autre. Il a réussi à éteindre les flammes. Ouais, mais il a mal fini quand même. Ok, merci. Les papiers quand même. Les papiers. D'accord, elle a passé papier? Ah si, je préfère. Harley. Ok. Bon bah, je pense que c'est pas mal. Voilà, merci madame. Féminin. Ça a l'air d'être réglo, hein. Ouais, donc on va chercher un petit peu autour. C'est une femme avec une grande veste marron, hein. Elle m'a parlé de ça. Est-ce que tu vois une femme avec une grande veste marron? Je vais parler à ces messieurs. Piétons inconscients, cette ville est incorrigible. D'accord, mais ils s'en foutent, en fait. Ils sont pas tes steaks. La police s'occupe de ça, oui, oui. Vous en foutez, vous, en fait. Alors attends, je vais parler aux autres. Ça m'a l'air d'être des témoins. Je vais parler à la dame. Qu'est-ce que c'était ces grands bruits tout à l'heure? Mais en fait, ils s'en foutent, hein. Pièce à conviction trouvée. Il me faut une pièce à conviction. Ok. Voyons voir ce qu'on peut trouver par ici. Je peux trouver quelque chose vers la voiture peut-être. Indice, objet en feu projeté sur le véhicule. Le conducteur a réussi à sortir et atteindre les flammes. Faut que je trouve cet objet. Ce serait pas mal. Y'a pas quelque chose par ici? Ah, attends, regarde là. Avec mon équipement. Bouteille de verre brisée. Ah, un cocktail Molotov, non? C'est fou ça quand même.
Ce serait dingue. Oh là là. Demander qu'il soit remorqué. Bah ouais, du coup. Délivrer une contravention, ah le bâtard. Appel remorquage. Ok. Come in, Sancho. Ouais, je pense à un cocktail en vrai. Tow truck need. Please pinpoint my current location. C'est impossible. Over. Copy that. Ce monde est tellement dangereux. Bon, est-ce que le remorquage est possible, hein? S'il vous plaît. Ouais, ils vont arriver, hein. Permis de conduire vérifié, pièce à conviction prélevée. Donc là, je pense qu'on est bon, hein. Ouais. Le remorquage arrive. Je vais le laisser travailler, hein. Et je suis sûr qu'on va pouvoir conduire plein de véhicules dans ce jeu. J'ai vu des images, justement. Alors là, on a une voiture plutôt classique, hein, pour commencer. Et vous verrez, après, on aura des voitures style un Hummer et tout. Ça va être génial. Actuellement, on est à 300 sur 1000, hein, au niveau de notre, du premier niveau. Pour l'instant, on est au grade de cadet. Bon, bah, je pense que c'est bien. Non ? Je pense que c'est pas mal, maintenant il faudrait rentrer au bureau à mon avis. Retourner au poste de police et livrer les pièces à conviction. Ah bah oui, je suis con, ils me le disent. En plus, le jeu m'aide. Nom de Dieu. Allez, alors est-ce que je peux tout de même terminer ? Je sais pas si je peux terminer ma mission de base. J'en ai aucune idée. Alors attends, la map il me semble qu'on peut l'ouvrir. Le menu pause vous donne accès à d'autres menus en cours de partie. Ah, le briefing vous fournit des informations et des détails sur la mission postée qui vous est actuellement assignée. La carte vous donne un aperçu, voilà, général de la ville et vous permet d'identifier le lieu et la direction de la mission postée ou de l'appel d'urgence en cours. Vous pouvez naviguer, zoomer avant ou arrière et fixer une différente destination. Le dossier compile les distinctions reçues. Vous y retrouverez aussi toutes les missions et tous les appels d'urgence terminés. Vous pouvez recommencer des missions que vous avez déjà terminées. Eh, c'est bien ça ! En les sélectionnant, puis en cliquant sur « Recommencer ». Pendant que vous effectuez une mission postée, vous pouvez accéder au dossier et choisir de recommencer un appel d'urgence que vous avez déjà terminé. Si vous êtes en train de répondre à un appel d'urgence, celui-ci sera annulé et l'appel d'urgence sélectionné démarrera. Recommencer des missions ou des appels d'urgence ne vous rapportera pas de points supplémentaires. Accédez à l'écran des paramètres pour changer les réglages audio et vidéo, ainsi que les options de jouabilité et de commande du jeu. Vous pouvez aussi y visualiser la légende des touches de votre manette de jeu. L'écran multijoueur, ok, blablabla. Menu principal, ok, bon, ça d'accord. Irrégularité mission, poste du jour, assignation circulation, situation. Ouais, donc ça c'est mon truc actuel, c'est la mission actuelle. Très bien. Bon, alors écoutez, j'ai envie de vous dire, maintenant il faut rentrer au bureau. Alors le bureau c'est où? C'est par là? Ah non, je pense que c'est ça à mon avis. Ouais, ça doit être l'étoile, hein. Définir destination. Ah mais carrément, mais c'est excellent. Eh ben écoute, on va y aller. Ouais, on va y aller et on finira notre mission après, hein. Je pense qu'on a le temps, hein, pour mettre des amendes. On verra plus tard, ça c'est plus important, hein. La mission d'urgence. Et puis vu qu'il y a une durée, je préfère valider au moins l'objectif, hein. Je pense que c'est un peu plus logique, tu vois. Et franchement, je suis assez surpris parce que je trouve le jeu très complet. Je m'attendais pas à ça. Je suis curieux de voir ce que vous allez me dire en commentaire. Franchement, parce que les jeux de simulation propres, dès leur sortie comme ça... Ah bah tiens, la remorqueuse. Les jeux de simulation propres à leur sortie comme celui-ci, c'est pas courant, hein. C'est honnêtement pas courant du tout. Allez, on est de retour au poste. Attends, je vais faire par contre petite marche arrière, je préfère. Je sais pas si on peut regarder en arrière par contre, j'avoue que je peux faire comme ça, tu vois, pour tourner la caméra. Allez. Par contre, faut que je trouve le bureau. Au technicien de laboratoire. Ouais, on va essayer de trouver effectivement cette pièce. Staff only. Bah oui, je suis fait partie du staff. Donc alors, qu'est-ce que c'est que ça? Les toilettes peut-être, oui. Le lobby. Je pense pas que c'est le lobby. On recherche le labo. Putain, il y a des caméras partout. Laboratoire médico-légal. Rendez-vous au laboratoire et parlez au technicien afin de lui délivrer des pièces à conviction collectées et terminer votre mission. Ah bah, c'est simplement laboratory. Ok. Alors, capitaine de police. Yep. Je cherche le laboratoire. T'inquiète pas, on va le trouver, c'est une question de temps. L'armurerie, laboratoire. Voilà, c'est par ici. On découvre les lieux aussi, hein, dans cette première vidéo. Bonjour. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien? Tout va super bien. C'est pas à lui qu'il fallait parler? À elle, peut-être? Oui. J'ai collecté des échantillons sur la scène du crime. J'aurais besoin de vous. Appel d'urgence terminé, voiture incendiée à Cloverleaf. Eh ben voilà. Oh, c'est génial. Franchement, très très bien. Trouvez les véhicules mal garés. Prenez en compte les emplacements exactement réservés. Ouais, t'inquiète. Allez, il nous reste que ça à faire. Encore une petite amende et on est bon, hein, pour la mission de base. Attends, je me trompe de porte, hein. Non, très très bien.
Franchement, pour l'instant, le jeu est assez surprenant. Je précise, pour un jeu de simulation, parce qu'effectivement, si on était censé jouer à un jeu de la qualité d'un The Witcher, là, ce serait autre chose. Mais c'est vrai que pour un jeu de ce style, c'est assez réussi, pour l'instant. Alors attends, je vais retirer par contre le petit logo. Maintenant, ouais, on va retourner dans la rue d'à côté, hein. De toute façon, le petit clignotant qui va bien. Bon, par contre, ça se trouve, je passe au feu rouge. Le mec, il calcule pas ça, quoi. Alors, est-ce qu'il y aurait une voiture mal garée? Ah, voilà, super. Là, on a quelque chose. Génial. Allez. Et une nouvelle amende. Une. C'est top. Jolie voiture, en plus. Hein. Jolie voiture, j'irais bien faire un petit tour avec. Alors, attends. Juste, on va quand même vérifier les infos. Même si, bon, ça n'a rien à voir avec le fait qu'ils soient mal garés. Hein. C'est pas forcément des fugitifs. Hop. On délivre la contravention et je pense que la mission est terminée. Impeccable. Et il n'y a pas de limite de temps, du coup, hein, pour ces missions classiques. Voilà, vous avez terminé les tâches de votre mission postée. Vous pouvez continuer à patrouiller dans les rues à la recherche d'autres véhicules responsables d'infractions au code de la route ou de stationnement pour marquer plus de points et progresser plus vite dans votre carrière. Alors là, ça avait à voir vraiment avec les véhicules stationnés, mais je pense qu'on aurait pu effectivement confirmer la mission autrement, peut-être en vérifiant si vous avez la ceinture, etc. Vous pouvez aussi interagir avec les piétons et réaliser des fouilles aléatoires. Ouais, si vous découvrez qu'un individu est en possession d'objets illégaux, vous devez suivre scrupuleusement la procédure pour marquer des points supplémentaires. Oh, intéressant. Souvenez-vous que l'option « Terminer le poste » est disponible via le menu principal. Si vous choisissez de mettre fin à votre poste, ce dernier se termine quel que soit le temps restant et vous devez rentrer au poste de police pour saisir votre rapport de mission dans le terminal du bureau. Suivez les directions du GPS pour rentrer au poste de police. Yeah, j'adore. Et donc ça fait 3 contraventions. Ça en fait 3. Alors on va terminer, si possible, le bidule. Alors attends, comment qu'on fait déjà? Alors il me l'a dit, c'est démarrer. Non, ça c'est fait. C'est dans le menu start. Je sais plus. Je peux vous mentir, je ne sais plus. Comment on fait? Terminer le poste. D'accord, c'est par là. Attends, faut que je prenne la souris. Ah ouais, parce que c'était pas reconnu en fait. D'accord, on va terminer le poste. Oui, tout à fait. Votre service est terminé. Jour 1, vous devriez maintenant retourner à votre bureau et remettre votre rapport. Ok, c'est marrant parce qu'à certains menus, je suis obligé de prendre la souris. Ça marche pas avec la manette. Allez, retour au poste de police. Et on termine ce premier poste dans cette série, les amis, sur Police Simulator. Alors, attention monsieur, voyons, on se calme. Juste, c'est là, je vais mettre le petit point. Ouais, je le mets parce que vraiment, je suis... Ouais, pas la peine de le mettre, c'est juste à côté, gros. Allez, reprenons. Il est juste là. Et c'est marrant, hein, ils ont changé le nom du jeu, mais vraiment au dernier moment, je dirais, allez, peut-être 2 semaines avant, quoi. En tout cas, nous, on l'a vu apparaître que 2 semaines avant, le changement de nom, alors qu'à la base, c'est Police Simulator 18, qu'on me demande également depuis très longtemps. Voilà, et en même temps, vu qu'on est passé en 2019, c'est vrai que ça correspond plus. Très bien. Allez, on va faire le rapport. Et je trouve que ça suit scrupuleusement un petit peu, justement, les étapes, c'est sûrement peut-être un peu plus réaliste que d'autres jeux que Autobahn, par exemple. Je pense que c'est quand même un peu plus évolué. Ok. Même si Autobahn, c'était plutôt une spécialité autoroute, forcément. Forcément, ça veut dire ce que ça veut dire. Allez. Rentre ton code, tout ça. Et on termine le poste. Alors, véhicule en infraction de stationnement, mis à l'amende, immatriculation, conduite 100%, appel d'urgence. Eh oui, en plus, on a fait un appel d'urgence, on a gagné 390 d'expérience. Ok, on valide. Eh bah franchement, en tout cas, c'est sympa. Hein. Et voilà, 390 points d'XP sur 1000. Et quand on aura atteint effectivement les 1000, on pourra upgrade en grade. Ce type le mois dernier qui roulait à 50 à l'heure dans une zone limitée à 30. Eh bien, la semaine dernière, j'en ai attrapé un au même endroit roulant à 70. Incroyable! Quelle infraction! Allez, on va reprendre une mission. Et on va essayer de prendre quelque chose d'un petit peu différent. Même si on a vu autre chose, on a vu également une mission d'urgence qui était vachement sympa. Et là, on va voir ce qu'on peut prendre d'autre. Alors, point de contrôle routier. Ah, identification du suspect. On va plutôt faire ça, identification du suspect, ça m'intéresse. Alors, trafiquant de drogue, vu en train de traîner autour de Cloverleaf. Homme adulte d'origine asiatique, portant un débardeur blanc et un jean vert, cheveux bruns en pointe. Femme adulte de couleur noire, portant un t-shirt violet et un legging noir. Coupe de cheveux roux, de style afro. Femme adulte de couleur blanche, portant une parka grise et un jean blanc, cheveux noirs. On va essayer. Allez, pourquoi pas. Par contre, je me pose une question, c'est vraiment au choix en fait. On prend ce qu'on veut quand on veut.
Remarque, c'est pas mal, tu me diras. Bah ouais, c'est pas mal du tout. Allez, dites non à la drogue. En plus, le jeu est engagé. Alors, équipement manquant. Vous ne pourrez pas accomplir vos tâches sans un équipement adéquat. Vous, pour vous le procurer, parlez à l'armurier. Ah d'accord, ok. Ouais, c'est vrai qu'il faut pas que j'oublie de faire ça. Moi, j'allais partir Zubida. On va quand même voir ce qu'on peut pécho. Alors, radio, PDA, qu'est-ce que j'ai en plus ? Éthylotest, taser, ouais, bah c'est le même équipement que j'avais avant. Hein. Ah oui, mais sauf que j'étais pas équipé, du coup, vu que j'avais arrêté mon poste. Il faut penser à s'équiper à chaque fois. Allez, le parking, et on va aller dans la nouvelle zone. Alors attends, est-ce que c'est loin ? Non, c'est Clover Leaf, donc c'est juste à côté, je l'ai fait exprès, hein, vraiment, de prendre la zone à côté. Et ça rappelle un petit peu, bon, pour ceux qui connaissent GTA, voilà, forcément, GTA 5... on va dire LSPDFR. Alors moi j'y ai pas joué, mais c'est vrai que forcément, est-ce qu'un jeu de simulation comme ça, parce que c'est pas un triple A, hein, peut concurrencer avec LSPDFR? Je pense pas, voilà, mais forcément c'est un jeu différent, c'est un jeu fait pour ça, alors que GTA à la base, bon, ça reste des modes, quoi, c'est très différent. Alors, mais des modes très bien faits. Identification et arrestation des suspects. Patrouiller dans la zone désignée par la mission à la recherche de ou des suspects décrits dans votre page de briefing. Recherchez les individus se comportant de manière suspecte, comme rôder à proximité de zones d'habitation ou importuner d'autres piétons. J'espère qu'on va à un moment faire parler notre arme. Les suspects stopperont leur comportement et se déroberont à l'approche d'un officier de police. Si vous identifiez un suspect correspondant à la description, approchez et prenez les mesures appropriées. D'accord. Bon, on n'est pas encore dans la zone. Hein. Mais, enfin, si, je suis con. Ah, on est dans la zone. Après avoir si c'est pas plutôt vers le point jaune. Pas plutôt aller vers le point jaune. Par contre, le briefing, t'es bien gentil. Briefing. Homme adulte d'origine asiatique portant un débardeur blanc et un jean vert. Cheveux bruns en pointe. Il y a combien de personnes en fait ? Il y a 3 personnes. D'accord. Bon, homme adulte d'origine asiatique, débardeur blanc, jean vert. Débardeur blanc, jean vert, je pense que ça peut se remarquer quand même. Je pense. Hein. Donc là, nous sommes arrivés. On va faire attention à ce qu'on voit, à des comportements un petit peu suspects. Ah, par contre, je me dirige au mauvais endroit. Attends, on va faire un petit peu le tour. Hein. N'oubliez pas, asiatique, débardeur blanc, jean vert. Déjà, si on pouvait trouver lui, ce serait pas mal. Non, lui, il est pas spécial. Attends, c'était 2 filles. Attends, je vérifie. Femme adulte. Ouais, 2 filles. Donc, on va essayer de trouver le mec. Déjà, asiatique, débardeur blanc, jean vert. Asiatique, débardeur blanc, jean vert. Là, c'est une. Fait chier, c'est une rue en sens unique. Asiatique, débardeur blanc, jean vert. Alors, je t'avoue que par contre, c'est un petit peu chaud de les trouver. Peut-être les trouver plutôt dans des ruelles, non ? Moi, je dis plutôt dans des ruelles. Ce serait pas étonnant parce que forcément, les vendeurs de drogue, ils sont plutôt cachés, non ? Ah ! Lui, c'est un débardeur blanc. C'est un jean vert ? C'est pas un Asiate, non ? Je crois pas, hein. Attends. Moi, je m'arrête en plein milieu de la route. Ah si, il a un jean vert, on dirait. Cheveux en pointe ? Il me semble que c'est lui, hein. Je sais pas si son jean, il est vraiment vert. Attends. Cheveux bruns en pointe. Eh, c'est possible, hein. C'est possible. Je vais lui demander. On va voir. Si, il est vert. Si. Alors, procédure d'identification et d'arrestation des suspects. Certains suspects s'enfuiront peut-être après que vous avez interagi avec eux. Vous aurez alors à prendre les mesures qui s'imposent sur le champ. Si vous ne l'avez pas déjà fait, ouvrez le menu radial pour sélectionner l'une des armes de service assignées et vous en équiper. Comment on fait pour ouvrir le menu ? Ce sera peut-être une gâchette. Pointez votre arme sur un suspect en fuite. Certains suspects font halte immédiatement pour se rendre dès qu'une arme est pointée sur eux. Maintenez la mire sur le suspect et approchez avec prudence. Quand vous serez assez proche, interagissez pour procéder à l'arrestation. Oh, trop bien. Avec le menu radial ouvert, vous devez fouiller le suspect, demander ses papiers d'identité, vérifier ses infos et l'arrêter. Après avoir passé les menottes au suspect et avoir procédé à l'arrestation, ne vous éloignez pas du criminel jusqu'à l'arrivée de vos collègues, qui l'emmèneront en détention. N'oubliez pas que tirer sur un suspect qui s'est rendu est considéré comme une faute pro, qui vous infligera une pénalité. Si vous tirez sur un suspect qui s'est rendu, interagissez avec la victime au sol pour appeler immédiatement une ambulance. D'accord. Très bien. Certains suspects ne feront pas halte, même si vous pointez votre arme sur eux. Ils doivent alors être immobilisés par un tir avec l'arme sélectionnée. Les armes comme la bombe de spray, au poivre et le taser ont une portée plus courte que d'autres armes. Alors vous devrez parfois poursuivre le suspect
pour ne tirer que lorsque vous serez à portée. Après avoir immobilisé un suspect en fuite, interagissez avec le criminel au sol et appelez une ambulance. Quand celle-ci arrive, le suspect est emmené en détention et votre tâche est terminée. Ah d'accord, il s'enfuit. Ah mais vraiment quoi? Ah ouais, mais c'est une roue, mais exactement, les amis. Je suis choqué. Exactement comme n'importe quel jeu, mais c'est trop bien. Alors comme arme, j'ai que le taser. Hein. J'ai la bombe de spray et le taser. Alors tu sais quoi, on va courir. On va le poursuivre. Reviens, tout de suite. Comment on vise? J'en ai aucune idée. C'est vraiment à moi de... Ah voilà. Ah d'accord. Il s'arrête, bah si, ça marchait pas en fait. C'est bon, j'aurais fait une petite coupure parce que je comprenais pas comment on visait. Donc lui il s'arrête, c'est bon. Maintenant faut juste que je l'arrête. Hein. On remarque un petit coup de taser, ça lui ferait du bien, non? Non, non, quand même pas. Il faut suivre les règles, évidemment. Alors monsieur, je vous arrête. Mais reviens! Mais non! Arrête-toi! Mais quel saligo? Ah d'accord, mais c'est quand on le pointe, voilà, qu'il faut interagir avec lui. Ne bouge plus, racaille! Ah ouais, t'as rien fait de mal. Alors, fouille corporelle, vérifie info. Alors déjà, on pourrait l'arrêter. Non, je vérifie d'abord les infos et tout. J'espère qu'il va pas s'enfuir. C'est un criminel! Il faut l'arrêter! Oui. Ensuite, fouille corporelle. Non mais c'est bon, on peut l'arrêter. Allez hop. Les mains dans le dos. Vous êtes en état d'arrestation. J'ai toujours rêvé de dire ça. Super. Restez proche du suspect. J'appelle. Ah, c'est excellent. Ok, nearest patrol car is now heading to your location. Allez, je reste près de lui. Il ne s'enfuira pas, je peux te le dire. J'attends mes collègues. Bon, sinon, vous attendez quoi, là, le déluge? Hein? Pourquoi ils sont aussi lents? Oh là là, deux tenses, hein? Deux tensions. En tout cas, trop la classe, hein. Aujourd'hui, on a fait plein de choses. Allez, embarquez-le. Et un de moins. Il nous reste donc deux suspects, hein. Il nous reste donc deux suspects et on débloque les success team au fur et à mesure, ça c'est bien. Par contre, j'ai plus de voiture! Ah bah, c'est dommage, ça. Attends, donc du coup je vais retourner à la voiture. Et on verra un petit peu. On va voir les deux autres suspects. Attends, à quoi ils ressemblent? Femme adulte de couleur noire. D'accord, portant un t-shirt violet. T-shirt violet, legging noir. Et une rousse en plus, de style afro. D'accord, noir afro. Noir afro, t-shirt violet. Apparemment ça peut se trouver, c'est quand même caractéristique. Mais le rayon peut être large, hein. Voleur à grande vitesse. On va pas le faire, je pense. Quoique, si on le fait pas après. Attends. Voleur. Ok. Attention à toutes les unités. Ouais, on peut accepter. Attends, j'y vais, je prends la voiture. Par contre, faut que je mette le giron là. Situation d'alerte, les amis. Eh oui, il faut que j'y pense. Ah, faut tourner. Alors, en tout cas, elle freine bien, hein, la bagnole. Hein. Ça, c'est appréciable. Ah, ça y est, là, on s'y croit. Je suis vraiment un agent de police. Génial! Alors, appel d'urgence poursuite, localisez le véhicule décrit dans l'appel d'urgence et poursuivez-le. Vous devez rattraper le conducteur en fuite et percuter son véhicule avec la voiture de police. Endommager le véhicule poursuivi est le seul moyen de faire stopper son conducteur pour l'appréhender. Surveillez bien la jauge verte sous la plaque d'immatriculation du véhicule en haut du centre de votre écran. D'accord. Faut lui rentrer dedans, quoi. Une fois que la voiture est trop endommagée ou impossible à contrôler, le conducteur en sortira et tentera de s'enfuir à pied. Vous devez alors poursuivre le criminel à pied pour le capturer. Ok, ça on connaît maintenant. Ouvrez le menu radial et sélectionnez une arme de service. Si vous n'avez pas déjà fait, pointez votre arme sur le conducteur en fuite. Oui, accrochez du criminel et interagissez avec lui. Vous pouvez alors procéder à une fouille corporelle ou à une arrestation immédiate. D'accord, et après on reste à proximité, on connaît. Après que le criminel a été emmené en détention, retournez auprès du véhicule accidenté et y appelez une dépanneuse pour terminer la mission. Ok. Alors, où est-il? Où est-il? Ah, mais c'est lui, hein? Ah, c'est lui! Je suis con, c'est la cible! Ok, excuse. J'avais pas pigé. Allez, on va se rapprocher. Allez, je lui rentre dedans, là. Bim! D'accord. Est-ce que t'es sûr que c'était ça qu'il fallait faire? Oh, bien! C'est même pas moi qui l'ai eu! Abusé! C'est pas moi qui l'ai eu! What? C'est quoi, ça? Oh, putain! Ça y est, premier bug du jeu! Non! Qu'est-ce qui s'est passé? Le véhicule, il a volé! Oh la vache! Bon bah c'est bon? Allez, qu'est-ce qu'il y a là? Destruction Derby! Bon, je pense qu'on a perdu le chauffeur, hein. Attends, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Le véhicule a disparu? J'ai l'impression que la mission a été annulée, du coup. D'accord. C'est vrai que le violet, ça flash, hein, du coup...
Ah, en plus, ce serait bien l'emplacement. Et coupe afro. Oh, je suis sûr que c'est elle. Je suis sûr que c'est elle. Salut, toi. Obligé, c'est elle. Mais elle est pas rousse. Hein. Stop right there. Ne bougez plus. Ah bah c'est elle, mais elle est pas rousse, hein. Je suis désolé, hein. Madame, madame, arrêtez-vous. Bien. Je vous arrête. Je vous arrête tout de suite. Vérifier info. Ouais. On vérifie les infos. Criminel, bien sûr. Eh, mais elle est rousse sur sa photo. Ah oui, on voit un petit peu. Ouais, un petit peu. Un petit peu de roux, mais vite fait, hein. Fouille corporelle. Qu'est-ce qu'on va trouver sur elle? Ce n'est pas vos affaires. Ah ah. Je suis sûr qu'on va trouver de la dope. Mais non, c'est pas du harcèlement. Je suis dans mon droit. Chère dame, grand sac de méthamphétamine. Oh là là, la méthamphétamine, mon Dieu. Breaking Bad, bien sûr. Eh bon, on l'arrête, écoute. Je vous arrête, chère demoiselle. Ma chère demoiselle. Attention au poignet. Je vais attendre mes collègues. Voilà, c'est bon, merci beaucoup. On est à 70% du coup. Hein. 70%. Je pense que je ferai quelques petits cuts parce que il y a des séquences qui sont un petit peu longues. Pour pas grand-chose. J'ai un souci, Anna. Je ne trouve pas ma cible. Salut. Stop right there. I'm gonna need to ask you a few questions. Poser quelques questions. What do you want, officer? Ouh, elle a l'air pas contente. Pas de casier, ouais, bon. Pas de casier, c'est pas elle, hein. On peut la fouiller éventuellement, vérifier les infos, tout ça. Ouais, fouille corporelle. Vite fait. That's none of your business. Ce n'est pas vos affaires. Please keep still. Veuillez ne plus bouger, merci. Non, non, pas de mandat, madame. Pas de mandat. Oh, my God. Oh, attention. Cran d'arrêt. Aïe, aïe, aïe. Arrêtez-vous. Arrêtez-vous, madame. C'est dangereux ce que vous faites. Arrêtez-vous. C'est quoi qu'elle avait, déjà? Il me semble qu'il faut l'arrêter parce qu'elle a volé, hein. Si je dis pas de bêtises. Ouais. Madame, je vous arrête. Non, non, c'est pas des questions, c'est... Il faut l'arrêter, là. Vu ce que j'ai vu... Il faut l'arrêter, hein. On vérifie les infos. Donc pas de casier, on disait. Hein. Mais il faut l'arrêter, là. Attends, elle avait des trucs volés. Des bijoux. Parlez. Non, non, c'est pas une violation de la vie privée, surtout quand on a vu ce que vous aviez. C'est pour ça qu'elle me paraissait un petit peu excitée. D'accord. Eh ben, je l'arrête. Main dans le dos. État d'arrestation. Balai pas de flicaille. Comme elle me cause. Ah merde, faut que je bouge la voiture. Ah merde. Attends. Je suis sûr qu'elle va partir. Voilà. Ne bouge pas. Ah c'est bon, ils ont pu l'emmener. Super. Voilà. J'avais peur qu'elle se casse. Ah, votre service est terminé. Jour 2. Vous devriez maintenant retourner à votre bureau et remettre votre rapport. D'accord. Ouais, et ben voilà, rentrer au poste de police. Je vais pas terminer la mission parce que de toute façon, tu remarqueras qu'on l'a pas trouvé. Voilà, il faut bien commencer quelque part et donc on s'est bien chauffé aujourd'hui. Allez, super. On sort de la voiture et on va mettre fin du coup à ce premier jour de travail au sein de la police de Boston, hein, de Loston du moins, pardon. De Loston, ça c'est bien. Allez. Comment on fait par contre pour mettre fin au truc? Interagir avec l'ordi. D'accord. Allez. On va interagir avec ça. Et puis après c'est terminé. Et je pense qu'on va arrêter cette première vidéo ici. Du coup on a bien bossé quand même. Ouais, on a bien bossé. Et vous me direz en tout cas ce que vous pensez du jeu dans les commentaires. Je compte sur vous les amis. Identifier et arrêter pour possession de stupéfiants. J'en ai eu deux. Alors ça sert à quelque chose hein, quand même, hein, je pense. Hein. Sécurité urbaine novice. Même si on n'a pas fait les 100%, je pense qu'on gagne quand même. On confirme. Voilà. Et le troisième, on repassera. Ok, le premier jour, les amis, est terminé apparemment. Je suis content, je vais retirer mon petit truc. Voilà. Et puis, bah écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Bah ouais, dites-moi en tout cas ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Dites-moi également si vous souhaitez d'autres vidéos sur le jeu. Ou si ça ne vous intéresse absolument pas. Dites-moi tout, franchement. Je suis sûr qu'on aura des missions très très variées par la suite. Avec des affaires criminelles. Merci à tous, portez-vous bien. N'oubliez pas de laisser un petit like si ça vous a plu. Abonnez-vous et moi je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.